Les remerciements de notre président, M. Arnault, pour votre présence ici ce matin. Ce symposium, c'est un peu le point d'orgue qui nous permet de célébrer ce projet, l'exposition de Chouquine. C'est d'abord le grand succès du public, puisque aujourd'hui, l'exposition a accueilli quasiment 800 000 visiteurs à ce jour. Donc, vous imaginez ce que sera le résultat final au mois de mars. Donc, c'est un succès considérable. Anne Baldassari a reçu hier soir de The Art Newspaper. L'exposition a été classée comme l'événement culturel de l'année. Je voulais vous l'annoncer ce matin. Je remercie Jean-Paul Clavery et Suzanne Paget de cette présentation. J'avais prévu de faire une petite introduction générale à ce symposium, qui me semble extrêmement important parce qu'il participe de la valorisation scientifique de ce qui a été mené dans l'exposition. Donc, je déclare ouvert ce symposium Icônes de l'art moderne, l'exposition de Chouquine, la collection de Chouquine. Vous savez peut-être que ce symposium est en live, donc il sera peut-être aussi accessible, sans doute, Sophie, dans les semaines qui viennent sur le site de la Fondation. Donc nos débats sont relayés, sans doute écoutés depuis Los Angeles et Sydney en ce moment même, sans parler de Pékin, et de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Dans l'après-midi, nous aborderons la question de la danse, qui a été, avec la musique, au cœur des grands transferts de création dans la première décade du XXe siècle, notamment à travers le programme des ballets russes. Cet après-midi, nous aurons la chance et le plaisir d'accueillir Christian Comte, plasticien, cinéaste, sculpteur, qui a créé un objet improbable entre photographie et cinéma et danse, à partir de un ballet, la figure de Nijinsky qui est recréée, reconstituée à partir de photographies. Les ballets russes interdisaient le filmage de leur performance, et donc il a fait ce travail en dehors de tous les clous et de toutes les règles, et c'est une évocation d'une sensibilité, d'une émotion qui nous fait communiquer avec la magie des images, et c'est quelque chose d'extrêmement important.
montage que j'ai fait spécialement pour la Fondation Louis Vuitton, c'est-à-dire que j'ai choisi arbitrairement l'établissement 24 de Paganini pour lier l'ensemble des fragments que nous avions choisis avec Philippe Noiselle et avec la Fondation. Pour les puristes qui sont dans la salle, qui voudraient voir donc les images des Nijinsky sur les musiques originales, je les invite à regarder sur Internet où j'ai mis plus de 50 fragments depuis l'année 2008 où j'ai commencé à présenter ce travail au public. Alors en fait, moi je ne viens pas du monde de la danse, je suis sculpteur. Et j'ai rencontré, il y a quelques années, un maître du cinéma d'animation qui s'appelait Jean Saint-Roux et qui était venu passer les dernières années de sa vie sur la Côte d'Azur. Et ce monsieur m'a initié à la décomposition du mouvement en 25 images dans une seconde. Et il m'a initié aussi à un outil d'animation qui s'appelle le Banti. Alors, le banc-titre, ce sont des vitres superposées qui permettent de recréer un espace dans une image. Si bien que j'ai fait déjà sous son haut patronage, disons, quelques films d'animation, et quelques semaines après son décès, je suis tombé par hasard, s'il y a un hasard, sur l'album de Meyer. Qui est une série de photographies que Nijinsky a réalisée avec un photographe, une série de 32 photographies, et ces 32 photographies synthétisent la totalité du ballet de l'après-midi d'enfant. Et malgré la pauvreté du matériau, malgré le petit nombre de photographies, j'ai tout de suite compris la leçon de Jean Saint-Roux et j'ai tout de suite compris que Nijinsky, effectivement, avait synthétisé la totalité de son ballet à l'intérieur de ses photographies. Il s'agissait pour moi comme d'une énigme à déchiffrer et en fait, j'ai passé plus d'un an à ne serait-ce qu'à mettre dans l'ordre ses photographies. Une fois qu'on met ses photographies dans l'ordre, il suffit de faire un simple fondu enchaîné d'une photographie à l'autre en écoutant la musique de Debussy. On se rend compte déjà qu'il s'agit d'un film. Et tout mon travail a consisté donc à reconstituer les intervalles entre les photographies pour donner une fluidité au mouvement. Bon, pour moi, ça a été vraiment une découverte, ces photographies. Alors, je me suis passionné pour Nijinsky et quand j'ai regardé les autres photographies qu'il avait faites pour les ballets russes, j'ai constaté qu'il avait utilisé le même, qu'il avait lui aussi retenu la leçon de Jean Saint-Roux, c'est-à-dire qu'il avait décomposé son mouvement pour donner aux générations futures une idée de son geste idéal. Et j'ai fait le même travail pour les autres ballets, et je dois dire que son travail, plus on a des choses à faire et que j'ai à peine ébauché ce travail puisque il y a encore de nombreuses photographies que je n'ai pas mises en mouvement. Surtout dans l'après-midi d'enfant, il y a encore tout un travail à faire sur les nymphes, mais ce que je dois dire c'est qu'il y a une certaine magie dans ces images puisque Nijinsky a effectivement mis la totalité de son ballet dans ses photographies. Donc ensuite, je me suis passionné sur ces photographies. Comme je disais à Madame Baldassari, j'ai passé 10 ans à les regarder et je me suis usé les yeux dessus. Et j'ai pris conscience qu'il s'agissait d'une série d'œuvres d'art qui se sont transmutées les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que le ballet de Nijinsky est inspiré de, comme pour le sable, de la musique de Debussy, que Debussy s'est lui-même inspiré d'un poème de Mallarmé. Et j'ai appris dernièrement que Mallarmé lui-même s'était inspiré d'un tableau de Boucher
sur lequel, devant lequel il était tombé en extase à la National Gallery de Londres. Et ce tableau de Boucher lui-même est inspiré d'un passage des Métamorphoses d'Ovide, un poète latin. Et donc, cette suite de transmutation d'œuvres d'art s'est concrétisée dans ces photographies, qui sont elles-mêmes une transmutation. Et moi-même, j'ai transmuté ces photographies pour en faire un film. Et j'ai appris dernièrement qu'un jeune danseur de l'école russe entreprend de danser à présent le fun exclusivement d'après le film et qu'il envisage d'en faire une. Et je pense que ce jeune garçon est à même de réaliser une nouvelle transmutation. Pour en finir, on peut se demander pour un cinéaste d'animation comme moi, que faire après avoir travaillé pendant 10 ans sur Nijinsky. Mais en fait, cette grâce, puisque moi j'appelle ça une grâce, cette grâce de Nijinsky, elle n'est pas égoïste, puisqu'il m'a permis de découvrir un nouveau système, d'inventer, je dirais, un nouveau système de traitement de l'image. Et que grâce à ce traitement de l'image et grâce à la leçon de Jean Saint-Doux, j'ai vu que d'autres grands artistes de l'histoire de l'art avaient utilisé le même procédé de décomposition du mouvement. Alors je me suis intéressé aux sculptures de Praxitèle, et j'ai vu que Praxitèle lui-même avait décomposé avec en démultipliant ses sculptures, avait créé un seul mouvement. Je me suis intéressé aussi à Raphaël, aux Madones de Raphaël entre 1504 et 1508, qui non seulement décompose un mouvement, mais en plus installe une narration. Puisque si vous regardez ces Madones, vous constaterez que l'enfant Jésus est d'abord dans les bras de la Madone, puis ensuite il dit dans le livre, qu'elle est en train de lire, comme une prophétie. Et ensuite, il descend des bras de sa mère et il va vers Saint-Jean qui lui apporte une croix et finalement il accepte la croix. Et voilà, ça c'est mon prochain projet. En tout cas, merci d'avoir mis l'image, la figure de Nijinsky dans cette magnifique exposition, parce que je pense qu'il mérite vraiment.